Je crois qu'Emeric arrive, je me barre. Oh, Léna, quelle descente! Français, Française, un gauchiste contrarié et contrariant de plus en plus nombreux, amateur de parties fines, métro boulot, dodo la Saumure, monsieur Emmanuel Macron, menacé de mort, eh ben, t'as qu'à menacer de démissionner, comme ça tu me laisseras vivre. Non mais oh! C'est donc les infos du monde fou, chronique satirique et désengagée. Cette fois-ci, je me suis penché sur Manuel Valls et sa visite la semaine dernière dans l'Empire du Milieu, la Chine. Quoi de plus normal, première puissance économique mondiale. Ben ouais, la diplomatie capitaliste, évidemment. Manuel Valls en grand chef d'entreprise, parce qu'il aime l'entreprise, parce qu'il aime l'entreprise. Il y a séjourné 3 jours pour quémander tel un rhum dans un métro parisien, et il connaît très bien les combines. « S'il vous plaît, la France, compétitivité. Ah, je suis Manuel, ma France, elle est malade, austérité, made in China. » non, mais n'importe quoi, le mec, hein, super crédible, hein, bravo Manuel. La Chine, on le sait bien, c'est un pays spécialiste des contrefaçons. Et quoi de plus normal que Manuel Valls vienne vendre sa contrefaçon du socialisme. Car le socialisme est au gouvernement, pardon, ce que Bertrand Delanoë est à l'hétérosexualité. Vous voyez, c'est bien loin derrière, c'est bien loin. Eh, socialisme, ouh hein, voilà. Pour toi, Jean Jaurès. La Chine, rappelons-le, c'est ultra pollué. 16 villes qui sont parmi les plus irrespirables dans le monde. La Chine, c'est aussi un massacre tibétain. Certains ont encore des trophées de crânes de tibétains dans leur chambre ou dans leur salon. Enfin, ah, passons. En Chine, c'est aussi des bourreaux de travail, si je puis dire. Ce qui fait le bonheur des enfants occidentaux, et cette main-d'œuvre d'enfants qui fabriquent d'arrache-pied, sinon on leur arrache autre chose, la tête ou les bras, des jouets, des fringues, des portables qui finissent fatalement dans nos mains en Europe. Voilà comment certains s'adressent à des petits Chinois de moins de 10 ans. Bon, dis donc, Chang, tu te dépêches de terminer ton 218e iPhone, ok? Sinon, tu seras privé de repas et tu dormiras par terre. Et toi, là, qu'est-ce qu'il y a? Tu viens d'en terminer un? Eh ben, t'en fais un autre, morveux. Et après, t'en feras encore un autre, et encore un autre, et encore un autre, et encore un autre. Non, mais dis-toi, tu mets tes doigts dans le nez. Hein? Ça va pas ou quoi? Quoi? T'es malheureux? Tu sais qu'il y a plein d'enfants de ton âge qui peuvent pas profiter de faire de la spéléologie nasale? Ouais, parce que, bah, lépreux, et pas, ou alors estropié, voilà. Donc, t'es pas heureux ici? Allez, fais un autre iPhone, s'il te plaît, merci. Voilà, l'esclavage infantile, que voulez-vous, ça existe de partout dans le monde. C'est un peu mon coup de gueule de la semaine. Bon, d'autre part, les Chinois en France, il y en a qui sont... Je les adore, hein, je ne vais pas me mettre toute la Chine à dos, mais n'oubliez jamais ce proverbe du 13e arrondissement, je cite, « La nuit, tous les chats sont cuits ». Je suis persuadé que nous avons, nous tous, un jour ou l'autre, mangé du chat et du chien dans un restaurant chinois ou enfin, un traiteur asiatique. Voilà. Ou alors, chat échaudé ne craint pas l'eau froide. Mais dans l'eau bouillante, c'est une autre histoire. Bon, sur ce, je vous laisse parce que je dois aller récupérer mon neveu. Oui, il a été adopté par une de mes tantes et je m'en sers pour faire des travaux dans le jardin. Bon, je suis un petit peu taquin avec lui. Touko, si tu finis pas de goudronner le garage, tu repars en Colombie. Bon, mieux vaut en rire. À la semaine prochaine, à moins que d'ici là, la Terre se mette à mieux tourner.